Le dimanche 23 juin 2019, Laurent Wonaka poste une photo de son deuxième enfant, son fils Léon. Apparemment, la vie de l'acteur est vraiment pleine de joie. Laurent Wonaka a vraiment une grande affection pour son petit Léon. Le petit est entré dans la vie de Elle, acteur et sa compagne le mois de février dernier. Sur Instagram, la star de la série, Degré Camping Paradis, plus ou moins avait annoncé la bonne nouvelle à ses followers en publiant une photo de la petite main du nouveau-né, portant son bracelet de naissance, à l'hôpital. En guise de légende pour la photo, Laurent avait écrit « Degré Léon Wonaka est arrivé ce samedi 23 février. Un beau petit mec vient donc agrandir notre famille 9 mois à se poser la même question chaque jour, et voilà que dès, un coup. Plus ou moins l'arrivée de son fils représentait vraiment un grand bonheur pour le comédien de 39 ans, comme s'il avait touché un tout petit bout de paradis. » Elle avait même affirmé lors de son interview avec Telstar. Bonheur. Nous sommes beaucoup plus détendus que la première fois où nous avions tout préparé à l'avance. Il faut quand même reconnaître que c'est un peu difficile, 6 ans après, de se remettre dans les couches et les biberons, a-t-il déclaré. Peu comme les autres, Laurent Wonaka est un père qui a un amour affectueux pour ses enfants comme si cela n'était plus permis, notamment pour son petit Léon. 4 mois après la naissance de ce dernier, le papa fier a posté une adorable photo de son bout de chou par le biais de son compte Instagram. Sur la photo, Léon prend la pose avec des lunettes XXL, veux-tu des, un t-shirt portant l'inscription multicolore Stay Cool. Prêt pour une journée ensoleillée, a écrit l'ancien animateur de Degré Danse avec les stars, plus ou moins comme le genre de la photo. Il faut bien dire que, en dehors de son travail, Laurent Wonaka cherche avant tout à être le mari modèle pour sa femme et un père attentionné pour ses 2 enfants. Combat quotidien. Il y a 4 ans, le comédien Laurent Wonaka a subi une sleeve gastrectomie qui lui a permis de perdre énormément de poids. Si aujourd'hui, il n'est plus en obésité morbide, le maintien de sa ligne représente un combat quotidien pour le comédien. Découvrez son témoignage.